أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Un verset du Coran met en doute le témoignage des disciples de Jésus qui l'ont vu mourir et qui l'ont vu vivant 3 jours après sa mort. Personne, à part ce verset du Coran, n'a jamais mis en doute la crucifixion de Jésus. Même les historiens de l'époque le confirment. L'historien juif Flavius Joseph, né en 37, mort en 100, confirme que Ponce Pilate a fait crucifier Jésus. L'historien romain Tacite, né en 55, écrit que Néron a infligé les tortures les plus recherchées à ces hommes qui ont le nom commun de chrétiens, marqués par la plus méritée des infamies. Leur nom de chrétien tire son origine de Christ, qui sous le règne de Tibère avait subi la peine de mort par un décret du procurateur Ponce Pilate. Imaginez maintenant que vous soyez témoin d'un accident de voiture. Vous êtes avec votre meilleur ami, avec qui vous avez passé l'après-midi, et il se fait renverser par un chauffard. Il est emmené à l'hôpital, et la police vous interroge sur les circonstances de ce drame. D'autres témoins étaient là, qui témoignent aussi. Tous concordent à dire que le chauffard a renversé votre ami alors qu'il traversait dans les clous. Un an plus tard, a lieu le procès du chauffard. Un témoin de dernière minute arrive, qui n'était même pas sur les lieux, mais qui est un ami du conducteur. Il prétend avoir la vérité sur l'affaire et il affirme que votre ami était ivre et qu'il s'est littéralement jeté sous les roues de la voiture. Qui croiriez-vous ? Les témoins oculaires ou le témoin de dernière minute ? Je vous laisse répondre. Cela est très important. And he
Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, voilà, nous y sommes. Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures, et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le Concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus ? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donne une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. Dans l'évangile de Marc, il est question de celui qui porte la croix, Simon de Cyrène. Mmh. Et les basiliens disaient, ben finalement, Simon de Cyrène a porté la croix, et c'est lui qui s'est fait crucifier. Et donc, il y a eu une substitution au moment de la croix, et finalement, le sauveur est celui qui est au-dessus de la croix, en train de rire de celui qui souffre sur la croix. C'est vrai que ça, c'est pas un portrait très orthodoxe. Mmh. Oui. Et j'étais dans la gueule des lions, contemplant qu'ils ont ourdi contre moi en vue de la destruction de leur erreur et de leur déraison. Je n'ai pas combattu contre eux comme ils en avaient délibéré. Au contraire, je n'étais nullement affligé, ils m'ont châtié cela, et je suis mort. Non pas en réalité, mais en apparence, car les outrages qu'ils m'infligeaient restaient loin de moi. Je rejetais loin de moi la honte, et je ne faiblis pas devant ce qui m'a été infligé de leurs mains. J'allais succomber à la crainte. Et moi j'ai souffert à leurs yeux et dans leur esprit, afin qu'ils ne trouvent jamais nulle parole à dire à ce sujet. En effet, cette mort qui est mienne et qu'ils pensent être arrivée, est arrivée, pour eux dans leur erreur et leur aveuglement, car ils ont cloué leur homme pour leur propre mort. Leurs pensées en effet ne me virent pas, car ils étaient sourds et aveugles, mais en faisant cela, ils se condamnaient. Ils m'ont vu, ils m'ont infligé un châtiment, c'était un autre, leur père. Celui qui buvait le fiel et le vinaigre, ce n'était pas moi. Il me flagellait avec le roseau, c'est un autre. Celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. C'était un autre qui recevait la couronne d'épines. Quant à moi, je me réjouissais dans la hauteur, au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes, et au-dessus de la semence de leur erreur, de leur vaine gloire. Je me moquais de leur ignorance, et j'ai réduit toute leur puissance en esclavage. En effet, lorsque je descendis, nul ne me vit, car je me transformais en échangeant une apparence pour une autre. Et grâce à cela, lorsque j'étais à leur porte, je prenais leur apparence. En effet, je les traversais facilement et je voyais les lieux. Et je n'éprouvais ni peur ni honte, car j'étais immaculé. Et je leur parlais, me mêlant à eux par l'intermédiaire des miens, et foulant aux pieds leur dureté ainsi que leur jalousie en éteignant leur flamme.
Tout cela, je le faisais par ma volonté, afin d'accomplir ce que je voulais dans la volonté du Père d'en haut. » Quand on dit au Concile d'Éphèse que Marie est mère de Dieu, on parle Marie sans doute, mais surtout on parle de Dieu qui s'est fait ainsi tout petit dans le sein d'une maman, si bien que dans ce tout petit, on ne peut plus distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. À cette époque-là, du Concile, il y avait des divergences, parce que les uns niaient la divinité de Jésus-Christ, alors ils ne voulaient pas que Marie soit appelée mère de Dieu. Le patriarche Nestorius, contre lequel s'est dressé le concile d'Éphèse, dit « Vous ne me ferez pas adorer Dieu sous la forme d'un nourrisson. » Comment on peut allier une petite femme qui donne naissance à un nourrisson et le Dieu Tout-Puissant? Tout cela est parfaitement absurde. Dieu n'a pas de mère. Évidemment, Dieu, dans sa divinité, est au-delà de tout. Mais Dieu a pu, était tellement au-delà de sa divinité même qu'il peut la traverser pour se faire un petit homme. C'est le concile d'Éphèse qui a mis fin à toute cette polémique pour dire si Marie est mère de Dieu en tant que son fils, Jésus est Dieu. Et c'est là que Dieu se donne. Donc ce n'est pas une exaltation, une amplification de la puissance de la créature. On verrait Dieu comme une espèce de surhomme, de Superman. Mais c'est plutôt, au contraire, l'abaissement de Dieu qui manifeste sa toute-puissance dans une rencontre d'amour. Et ça produit une déflagration absolument étonnante. C'est un Dieu qui s'assied à la table des pécheurs, c'est un Dieu qui descend jusque dans l'agonie, la souffrance, la peur. Notre Dieu n'est pas une sorte de grand philosophe qui donne sa vie en donnant ses leçons. Non, il s'anéantit, comme ose le dire saint Paul. Il descend dans notre condition de pécheur, mais pour faire briller sa miséricorde et sa grâce. Et c'est là qu'est la divinité. Et le fait de dire mère de Dieu, c'est quelque chose qui nous engage sur l'identité de Jésus. Et pour bien comprendre qui est Jésus, il faut pouvoir dire Marie, mère de Dieu. Sinon, nous allons faire de Jésus un grand prophète qui est divinisé en cours de route. Non, déjà dans le sein de sa maman, c'est lui le Fils de Dieu. Et quand nous disons Marie, mère de Dieu, nous disons Jésus est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il l'est par tout son être. Donc c'est cela que nous contemplons. Toujours, ce proverbe chinois nous échappe, et quand le sage montre la lune avec le doigt, l'imbécile regarde le doigt. Mère de Dieu, c'est le don de Dieu que nous regardons. Et bien sûr, pour contempler ce don de Dieu, nous voyons qu'il a fallu ce cœur totalement disponible et ouvert, qui est le cœur d'une petite maman. Quand on s'est marié, on a fait une consécration à la Vierge, et on poursuit notre consécration à la Vierge. On a eu deux enfants qu'on a aussi consacrés à la Vierge Marie. Pour nous, c'est notre raison de vivre. C'est important de la prier, de lui demander de nous aider et que ça change complètement la vie. Sens qu'il y ait eu des indices dans d'autres textes qu'on a découvert peut-être après, indiquant justement l'existence de cette jarre quelque part, ou est-ce que ça... Non, il n'y a vraiment eu aucune information. Du tout, pas du tout. C'est vraiment le coup de bol. Dire que là, ça dépasse le hasard. Hein. Parce que là, ça relève presque du miracle, une telle découverte. Comme d'ailleurs la plupart d'autres manuscrits... comme les manuscrits de la Mer Morte, des textes d'une telle valeur qui ont traversé vraiment le temps, dans un état de conservation quand même assez remarquable.
Parce que, écoute, il faut remonter quand même. Là, on est au 4e siècle. Ah, c'est plus de 1500 ans, tu te rends compte. Non, même 1600 ans. Et qu'est-ce qui va rester? On se dit, qu'est-ce qui va rester de nos livres dans 1600 ans? Là, à moins qu'ils soient vraiment protégés dans des endroits très spéciaux, je pense qu'aucun de nos livres ne pourra être retrouvé. Il sera tombé en poussière. Ou alors, ils sont vraiment dans des états assez pitoyables. Donc, c'est vraiment miraculeux d'avoir retrouvé ces manuscrits, ces livres. Et puis, voilà, ce message qui était tellement important, qui devait traverser les siècles. Et puis, finalement, ils ont réussi. Alors imagine quand même l'homme à cette époque, la personne qui a enfoui cette jarre. Est-ce qu'il pouvait imaginer qu'au XXIe siècle, voilà, le message arriverait jusqu'à nous? Ça, je ne sais pas. S'il pensait que ça irait aussi loin, toujours est-il que voilà, le miracle a eu lieu et donc nous détenons ces textes, mais alors d'une importance capitale pour la compréhension du christianisme des origines. Alors, si on s'intéresse maintenant d'un peu plus près à ces textes, par lequel voudrais-tu commencer? Eh bien, par celui qui a eu, je vais dire, le plus grand écho auprès du public. Alors, c'est le fameux évangile de Thomas. Alors, on en a quand même relativement beaucoup parlé. L'évangile se poursuit en disant, toujours en parlant de Jésus, il disait, celui qui se fera l'herméneute. Alors, l'herméneute, ça veut dire l'interprète. Celui qui se fera l'herméneute de ces paroles ne goûtera plus de mort. C'est-à-dire, d'emblée, les premières lignes de l'évangile te disent que voilà, cet évangile révèle un secret qu'il va falloir interpréter à travers les paroles. Mais il faut se faire herméneute, c'est-à-dire un interprète, et aller au sens le plus profond. Parce que toutes les paroles de cet évangile, il ne se présente pas du tout, si tu veux, comme les évangiles canoniques, c'est-à-dire on te présente Jésus, ses actions, du tout. C'est juste une suite de paroles, plus énigmatiques les unes que les autres. Il y a en tout 114 paroles dans cet évangile. Et surtout, cet évangile se distingue des évangiles canonique, dans le sens, il est essentiellement centré sur la question du salut. Comment obtenir le salut? Mais il te fait comprendre très vite que le salut, tu ne l'obtiens pas par le sacrifice de Jésus et par sa résurrection. Pas du tout. Tu ne peux obtenir le salut que si tu comprends le sens caché des paroles qu'il y a dans cet évangile. Et c'est pour cela qu'il te dit, celui qui se fera l'herméneute de ces paroles ne goûtera plus de mort. C'est-à-dire, il te dit carrément, le sacrifice de Jésus n'a pu sauver personne. Il faut que vous compreniez le secret de ces paroles pour connaître, justement, découvrir le moyen de ne plus mourir. Alors ça, c'est fort. D'emblée, dès les premières lignes, il te dit ça, cet évangile. Donc, il s'adresse à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire des gens qui sont en quête de, vraiment de réponses et du sens de la vie, on va dire. Pourquoi? Parce que après les premières paroles que je t'ai citées, la parole qui suit est la suivante. Jésus disait que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et étant troublé, il sera émerveillé. Il régnera sur le tout. C'est-à-dire, d'emblée, il s'adresse à ceux qui cherchent. Donc, ceux qui sont en quête. Et là, ceux qui cherchent, ceux qui sont déjà sur le chemin de la quête spirituelle, c'est la définition du gnostique. Donc, là, d'emblée, cet évangile annonce sa couleur. Oui, vous trouverez le secret, si vous savez interpréter l'énigme de ces paroles, vous trouverez le secret pour ne plus mourir, mais ce secret s'adresse aux gens qui cherchent, aux gens qui sont en quête, donc à des gnostiques. Voilà, il ne s'adresse pas, si tu veux, aux croyants, on va dire, qui ont besoin de croire,
qu'on a déjà fait le travail à leur place, qu'ils sont déjà sauvés parce qu'ils vont croire à des dogmes. Non, pas du tout. Ils t'incitent à chercher, à te mettre en quête. Et après, quand tu auras trouvé le sens des paroles, là, tu es troublé, tu dis tu vas être troublé parce que c'est un renversement vraiment total de toute notre vision du monde. Et il y a quelque chose qui, là, m'a foncièrement choqué, je t'avoue. Il y a quelque temps, j'ai découvert que le pape François, avait dit quelque chose d'assez choquant, très choquant même, hein. Ça a choqué plus d'un chrétien, quand on voit les commentaires sur Internet. Donc, le pape aurait dit, dans un discours, hein, réalisé il y a un peu plus de 2 ans, c'était le 26 septembre 2015, à la cathédrale Saint-Patrick de New York, le pape a fait cette déclaration. Dieu voit les fruits de nos travaux, et si parfois nos efforts et nos œuvres semblent échouer et ne pas produire de fruits, nous devons nous rappeler que nous sommes des disciples de Jésus-Christ et que sa vie, humainement parlant, s'est soldée par un échec, l'échec de la croix. Alors là, je t'avoue que ces paroles me scandalisent presque, je t'avoue. Parce que dire que la vie de Jésus s'est soldée par un échec, alors qu'il est venu accomplir justement ce que nous avons tous à accomplir au terme de notre évolution spirituelle. Donc on ne peut pas imaginer de plus grande réussite pour une vie humaine. Et d'entendre un pape, donc le gardien, on va dire, de la religion chrétienne, le chef, hein, absolu, dire ce genre de choses, alors là, c'est totalement incompréhensible. Totalement. D'ailleurs, pendant des siècles, on a dit que, en plus, l'échec de la croix, hein, on a enseigné aux chrétiens que voilà, ils avaient été sauvés par ce sacrifice, par la croix. Et là, dire à la fois que la vie de Jésus était humainement parlant un échec et ajouter l'échec de la croix, là, c'est quand même, je trouve, assez grave. Non, c'est très surprenant, effectivement, qu'on soit gnostique ou qu'on soit chrétien catholique ou autre. N'importe quel chrétien. N'importe quel chrétien, voilà, c'est très surprenant de dire que justement le sacrifice de Jésus qui est la clé pour tous les chrétiens, ça soit un échec. C'est quand même c'est étrange, voilà. C'est même inquiétant parce que là on sape les fondements même du christianisme. Si on ne comprend pas et le rôle de Judas aussi. Par contre, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'écho. Donc toi, tu l'as sûrement appris parce que tu es sur des réseaux qui s'intéressent à ça. On n'en a jamais... en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette déclaration du pape d'il y a 2 ans. Tu tapes sur Google... Oui, non, mais je suis sûr que je vais le retrouver. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si... Voilà, si tu vois, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Auquel je souscris totalement. Il y a une incompréhension totale. Les chrétiens sont perdus. Ils ne comprennent pas du tout ce qu'il a voulu dire. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, effectivement, l'Église de Rome n'est pas prête de reconnaître le rôle de Judas avec de tels propos. C'est là où je voulais en venir. Écoute, effectivement, c'est très, très surprenant. Notre apostolat est mesuré par celle qu'il a aux yeux de Dieu. Voir et évaluer les choses dans la perspective de Dieu demande une conversion constante en retour au premier jour de l'appel, première année de notre vocation, et cela exige, je dirais, une grande humilité. La croix nous montre une manière différente de mesurer le succès. Il nous revient de semer. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts
notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix.